Bonjour Viba, c'est Maxime du blog qualitérelationnelle.com. Bien, bah, j'ai envie d'abord de commencer ce témoignage par le petit clin d'œil sur l'e-book qu'on a co-signé ensemble. Bon, bah, il y a un petit problème technique, la caméra a inversé l'image, je ne sais pas d'où ça vient. Et je lâche prise, c'est aussi une manière aussi pour moi de lâcher prise. C'est simplement, bon voilà, signe de gratitude par rapport à cet e-book. Que nous avons co-signé ensemble au mois de novembre dernier dans le cadre de la préparation du Web 2 Connect 2012. Donc, je rigole parce que ce matin, j'ai passé quelques heures à reprendre des notes en écoutant votre conférence. Donc là, ce n'est pas 8 pages que j'ai faites, mais là, c'est 17 pages, vous voyez. Donc, ça m'a permis aussi de me replonger un peu dans tout ce que vous offriez. Et c'est vraiment du lourd hein, quand même. Et j'ai pris, j'ai quand même fait un petit résumé d'une page avec les mots-clés principaux, enfin les phrases qui moi, Maxime, me touchent personnellement. Une des premières expressions que j'ai notées dans votre conférence, c'est « Il ne faut pas réinventer la roue, il suffit de la repeindre ». Ça pour moi, c'est chouette. Parce que quand j'ai commencé il y a 2 ans, même oui, un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant, à m'intéresser à Internet, je partais de zéro en fait. Donc j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui grâce à toutes les formations que j'ai suivies. J'ai choisi les formations de pro, la révolution vidéo, pour la technique, Lorenzo Pancino et Maxivox pour l'expression orale. C'est grâce à lui aujourd'hui que je peux m'exprimer devant vous comme je le fais là maintenant, dans ce que je suis au quotidien. Secret du marketing éditeur Internet, où là j'ai vraiment appris les bases, la base de la base. Et puis Lancement Orchestré aussi de Sébastien, le marketeur français, où là je m'en suis servi cette semaine pour la réalisation du sondage, pour définir... pour bien connaître les besoins de mes prospects pour mon produit payant. Donc voilà. Mais malgré tout, en ayant suivi toutes ces formations, je me suis quand même senti seul. Et là, ce que vous m'offrez avec ce mastermind, c'est ce qui correspond au but commun, en fait, hein. Le but commun, contribuer à la réussite de chacun. Dans un esprit d'harmonie, de partage, de partenariat et de réciprocité. Ça, j'aime bien. Donc, je vais revenir un peu sur cette expression. Contribuer à la réussite de chacun. C'est-à-dire que chacun du groupe va apporter sa propre richesse, sa propre expérience et va pouvoir en faire bénéficier les autres membres du groupe. Dans un esprit d'harmonie, de partage, de partenariat et de réciprocité. Esprit d'harmonie, de partage. On retrouve encore cette notion d'échange. Je pensais tout à l'heure à cette fluidité de la vie où on donne, où on reçoit. Et ça pour moi, ça c'est fort. Le partenariat, acquérir, peut-être avoir des partenariats potentiels, on se retrouve aussi dans ce domaine du networking, du réseau. Et la réciprocité, je donne et je reçois. Et petit clin d'œil aussi à Transurfing, renonce à l'intention d'obtenir. Remplace-la par l'intention de donner et tu vas recevoir ce à quoi tu as renoncé. Et c'est vraiment ça, je le vis vraiment au quotidien et j'en ai encore une nouvelle preuve avec ce mastermind. Avec le soutien des autres pour se porter plus haut. C'est-à-dire que c'est pas, je vais m'appuyer à l'autre comme une béquille, en fait, l'autre va m'apporter son énergie. Comme vous disiez, 1 plus 1 donne 3. On a cet effet énergétique qui va faire que la force du groupe va nous emmener vers plus haut, vers the sky is the limit. Hein, j'ai retenu ça aussi. The sky is the limit, c'est que notre seule limite, eh ben, c'est le ciel en fait. Donc il n'y en a pas de limite, tout est possible. Bon, les 7 éléments clés nécessaires au mastermind, je ne vais pas les reprendre. L'invitation à se dépasser en permanence, sortir de sa zone de confort pour réussir. Donc là, troisième petit clin d'œil, il y a un mois, je me suis fixé comme objectif personnel que toutes les semaines, j'allais faire quelque chose de nouveau qui me fasse sortir de ma zone de confort. Aller me confronter à cette partie intérieure qui est face à l'inconnu et qui tremble un petit peu d'aller vers l'inconnu. Mais en même temps, je sais que mon âme m'emmène à aller faire cette expérience parce que
L'âme, elle n'a pas de peur. L'âme, je regardais hier une conférence d'Olivier Maslow qui est sur l'observateur, il disait, l'âme, se promener toute la rue, tout nu dans la rue, c'est une expérience pour elle. Et bien ça, aller dans l'inconnu, faire partir de ce groupe, voir où je vais arriver dans 6 mois avec vous, ça fait partie pour moi de l'inconnu, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, ça m'oblige à aller chercher en moi des ressources que j'aurais peut-être pas contactées avant, et ça, je trouve ça absolument génial. Les 5 erreurs qui freinent la réussite, donc là, j'invite les personnes également à aller réécouter la conférence ou à aller écouter la web conférence que vous avez faite. Un mastermind ne peut marcher pour soi que si on sait donner et recevoir. Donc voilà, ça c'est un point qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup, j'en ai déjà parlé. Vous avez également cité les 5 raisons principales pour joindre un mastermind. Et j'en ai retenu une suite à ces 5 raisons principales, c'est l'effet boule de neige sur sa vie personnelle et privée. Pour moi, la richesse extérieure, ma réussite extérieure dans la matière va d'abord passer par ma réussite intérieure. Donc automatiquement, en voulant réussir à l'extérieur, je vais avoir en effet miroir quelque chose qui va me permettre de grandir. Je parlais de grandir tout à l'heure, de m'élever vers le haut. Il y a cette... c'est... En voulant réussir à l'extérieur, je vais aller chercher en moi des ressources insoupçonnées. Je parlais de sortir de ma zone de confort. Donc, il y a cet effet boule de neige qui va faire que je vais aller trouver d'abord pour moi, et puis l'effet de boule de neige aussi avec les autres personnes du groupe, des choses qui sont hors de mon champ de conscience et qui vont être là et qui vont m'emmener vers le haut. Les 2 points essentiels, oser demander de l'aide et du soutien pour se développer, savoir donner son soutien aux autres. Donc, je retrouve là encore les points du but commun que j'ai cité tout à l'heure. Alors, the last but not the least. Et là, donc, j'ai à cœur de vous donner vraiment un grand, 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 grand sourire. C'est, j'ai noté, hein, je lis, bénéfice de Biba apporte la dimension humaine. Plus le gain de temps lorsqu'on bloque. Alors ça, Biba, merci. Parce que j'enlève mes lunettes. Merci. Parce que cette dimension humaine, c'est vraiment quelque chose que j'avais pris conscience quand même il y a quelques temps, il y a plus d'un an et demi. Mais je n'avais pas trouvé. J'avais essayé différentes tentatives de coaching. Mais je n'ai pas trouvé ce que là j'ai senti avec vous. Quand vous dites quelque part cette disponibilité 24 heures sur 24, quand vous dites que vous allez, on aura plusieurs rendez-vous par mois ensemble, en live avec le groupe, quand j'entends un rendez-vous hebdomadaire qu'on a fixé tous les matins, tous les matins, non, le lundi matin à 7 heures, pour annoncer au groupe nos 3 objectifs de la semaine et pouvoir vérifier la semaine suivante si ces 3 objectifs sont atteints. Je peux vous le dire, c'est ma première semaine là. Je me suis donné comme objectif de travailler sur mon blog, de mettre mes formulaires en bas de mes articles, de créer une page spécifique dans laquelle je mets en avant l'e-book, le networking qu'on a co-signé ensemble. Et ben, j'ai fait ça hier après-midi, alors que c'était 2 objectifs que je m'étais déjà fixés il y a plusieurs semaines. Et là, rien que le fait de les avoir énoncés lundi soir, lundi dernier, lorsque on a fait la première réunion de partage avec le groupe. Et bien là, ça m'a donné la pêche, ça m'a donné vraiment l'influx pour y arriver. Et je l'ai fait, et je suis fier de pouvoir vous le dire. Alors, cette dimension humaine, elle est. Maintenant, je me sens entouré, je sens que je ne suis plus tout seul. Et je sens que là, vraiment, comme vous disiez, vous dites aussi, j'ai envie de vous emmener, j'ai envie de il y a presque comme une garantie de résultat dans ce que vous avez annoncé. Et ça, je ne l'ai pas entendu
dans les différents programmes que j'ai pu suivre aujourd'hui. Il y a, voilà, il y a cette dimension humaine-là, il y a quelque chose que vous dégagez qui fait qu'il y a quelque chose de plus qui fait que là j'ai vraiment confiance et là j'ai envie d'y aller, quoi. Voilà, ça me donne encore plus la pêche pour ça. Et puis, la dernière chose, bon, bah, c'est le programme, la durée sur 6 mois. Je sais par expérience qu'un séminaire ne suffit pas. Il faut répéter, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Et même s'il y a des points de blocage, je sais qu'il y aura le groupe derrière moi. J'aurai envie de donner ce que je connais au groupe, mais je sais aussi que le groupe sera derrière moi aussi pour m'aider et pour me booster si à un moment j'ai des petits coups de blues ou j'ai des manques ou il y a des choses que je ne sais pas faire. Là, je me sens vraiment très très confiant. Un dernier point, parce que je me suis fixé, j'ai déjà dépassé, hein, 11 minutes 05, je m'étais donné 10 minutes maxi. Le block review qu'on a fait la semaine dernière ensemble, qui fait partie d'un de vos bonus, ça m'a permis, moi, grâce à vous, de recadrer vraiment vers Transsurfing les points forts, hein, de mon activité, de réserver un site, un nom de domaine qui s'appelle créer-sa-réalité.com, justement pour pouvoir l'alimenter dans des articles qui sont plus en lien de Transsurfing et qui vont permettre d'aider mes clients, en fait, mes futurs clients. Voilà, j'en ai terminé. Merci encore. J'espère que ce témoignage vous a plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt et à peut-être un témoignage. De toute façon, ce témoignage, je vais le mettre en ligne sur mon blog. Mais aussi un prochain témoignage, je pense, en cours de programme pour dire où j'en suis rendu par rapport à mes objectifs de développement. Et puis un témoignage enfin en fin de programme au bout de 6 mois après le séminaire du mois de septembre. Voilà, merci beaucoup Biba, à bientôt, à ciao ciao. C'était Maxime du blog qualité-relationnelle.com.